Manu, sois raisonnable. Les gens sont en danger de mort, là. Ils risquent de mourir de froid, de faim, d'épuisement. Faut que t'arrêtes, Manu. T'es cerné. Tu t'en sortiras pas. Et tu le sais. Jamais. Je lâcherai. Jamais. Allez, Manu, t'es pas le mauvais gars. Je te jure que tu peux encore reculer. C'est pas de ta faute, tout ça. Je bougerai pas. Si je veux, je chevauche le tigre et je t'envoie la bombe atomique. T'as pris des substances, Manu? Tu parles comme un possédé, là. T'as plus ta tête. Allez, lâche très fort et sors gentiment. T'essayes de m'embrouiller. La réforme est indispensable. Manu, prends ton téléphone. Je t'appelle. On parle entre hommes. Manu, réforme indispensable. T'as encore lu la presse, là, et regardé la télé? Oui. Mais oui, mais c'est eux qui t'embrouillent aussi, Manu. Ils sont amoureux, les gars. Ils disent des choses d'amoureux, mais ça tient pas debout, t'es d'accord? Non, tout est vrai. Je te promets, t'auras les circonstances atténuantes. Et on dira rien à ta femme. T'es juste un gosse égaré qui a grandi trop vite. T'es irresponsable. Eh oui, parfaitement. Irresponsable. C'est dans la Constitution, hein? Et tu vas faire quoi? Qui sont le... Qui sont même pas bons, d'abord. Bon allez, moi j'en peux plus, il est borné, je laisse tout. Non mais putain, si on le déloge pas maintenant, il va nous foutre Le Pen à l'Élysée en 2027, lui. Des fois, je me dis qu'il le fait exprès. Il peut pas être que nul.